Et oui, aujourd'hui, comme tu peux le voir, Monsieur K envoie la sauce. Quatrième stream d'affilée, on n'a peur de rien. Je le répète, je suis en train, en fait, tout simplement de tester les démos de jeux VR sur la PS4. C'est joli, ces effets. Vous savez, les petits trucs réfléchissants qu'on avait, les vignettes réfléchissantes qu'on avait quand on était môme, là. Enfin, je m'égare. Et donc, oui, en fait, je teste toutes les démos, comme ça après je peux les dégager, et puis j'aurai eu le temps de me faire une petite idée de ce qui pourrait être nécessiter un retour plus tard, et de ce qui est complètement dispensable. Reprendre, quitter vers le menu niveau 1, what the fuck. Je sais pas, reprendre si tu veux. Oh putain. Les commandes, les gars. Les gars. Bon, pour les commandes, je crois que je vais me démerder, hein. Alors, Sumper, oui, j'ai oublié de dire le titre. Sumper qui est un rider 3D, plus ou moins rythmique. Je sais pas comment il marche. Je sais, ça ralentit, ça s'accélère. Ok, j'aurais dû sauter. Non, mais voilà, vas-y, exprime-toi. Ouh, je vais monter le son, il y a du gros là. Ah, j'ai pas le temps de me monter le son. Moi j'aime bien ces jeux à la con. Hein. Bon, quand on a aimé RS, de toute manière, on peut que aimer ce genre de jeu à la con. À part que là, une touche, c'est peut-être un poil limitatif. Puis dans l'espace, je bouge pas trop. Ok. Non, je pensais à autre chose. C'est marrant comme graphisme. Ça manque un petit peu quand même de... Hein? De choses à faire, on va dire. Puis la bande son, pour l'instant, c'est pas ce qui va nous faire envie de nous amuser. Entre gens bien qui vont dans des soirées, collés contre des murs d'enceinte. Si tu veux, hein. Bon, là j'ai les mains en l'air, ça sert à rien, je pourrais poser le pad sur mes genoux. Vu que ça n'y change que dalle. Alors, l'intérêt de la VR là, pas terrible pour l'instant. Entre la VR et un très grand écran, une rétroprojection, très franchement, pour l'instant, je vois pas trop la différence. C'est marrant parce que le concept est en lui-même est assez étrange. Donc il y aurait peut-être quelque chose à creuser, mais dans l'état. Bon, le jeu est quand même bien calé sur la rythmique. Pas à quoi ça sert.
Ok. Eh oui, monsieur, faut coordonner vos mouvements. Crotte. Crotte Schnitzen, Flüten. Oh, ça va être long. J'ai perdu mon premier bouclier. Apparemment, il y en a deux. Ça va pas aller très loin, ce rythme-là. Alors, il y a un truc que j'ai pas compris sur le saut et... Mes couilles en ski, j'allais dire. Fuck sa mère. Bon, je vais essayer juste en maintenant appuyé dès qu'il y a la case qui passe où on doit sauter. Et après, il faut garder le X appuyé, donc hein. Ça passe très bien. C'est moi qui m'étais inventé un problème. Ça commence à venir. Sorry. C'est pas encore assez rythmique. Étrange que je me casse pas la gueule plus souvent, le jeu est beaucoup trop simple, hein. Donc le but de tuer. Le but du jeu, c'est de tuer le grand anneau gastrique, qui est tout là-bas. J'arrive, j'arrive, j'arrive.
Dommage qu'il y ait des décalages dans la musique des fois. Bon, même critique que pour le stream précédent, hein. Du coup, l'intérêt de la VR là est quand même relativement restreint. C'est-à-dire que ce jeu sur un rétroprojecteur, c'est juste parfait, ça fait le même effet quasiment. Sans s'emmerder avec tout le matos de VR qui est pas du tout exploité là, sauf erreur de ma part. Salut. Oh, que tu as un grand nez, oh, que tu as une grande bouche. C'est dommage, j'ai plein d'idées. Oula. Merde. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de ce jeu parfaitement dispensable malgré un concept qui est super rigolo. Je vais couper le stream. Ou alors je vous inflige le même temps de chargement que moi, qui est assez pathétique sur ce matériel, mais bon. Vous me connaissez, j'aime bien râler, mais en plus. C'est juste. Lol.